Salut à tous, Jérôme pour rfpv La black box rebute pas mal de pilotes, c'est souvent un truc qui paraît compliqué et obscur, et c'est dommage parce que c'est un super outil. Heureusement, maintenant que les filtres et les PID n'ont plus de secret pour vous, comprendre la black box ne sera qu'une formalité. Donc aujourd'hui, je vous propose une visite guidée de Blackbox Explorer, et d'ailleurs ça tombe bien, avec la version 4.5 de Betaflight, il y a eu quelques changements et ça va être l'occasion d'en reparler. Et même si vous êtes déjà à l'aise avec l'utilisation de la black box, il est possible que vous appreniez quand même 2-3 trucs en passant. Comme son nom l'indique, la Black Box c'est une boîte noire comme ce que l'on retrouve dans les avions par exemple. Le composant enregistre tout ce qui se passe durant le vol pour pouvoir l'analyser a posteriori. Ça va enregistrer plein de choses, les commandes sticks, les mesures du gyro, la position GPS, la vitesse des moteurs, les valeurs des PID, etc. On va reprendre le petit schéma de la boucle PID qu'on avait vu dans l'épisode 0 de cette série. Donc quand on active la Black Box, en plus de tout ce qu'on avait déjà vu... Et eh bien à la fin d'un tour de boucle, on rajoute une nouvelle étape pour écrire la valeur de toutes les variables qu'on vient d'évoquer dans un fichier. Au tour suivant, il écrira les nouvelles valeurs de ces variables, au tour encore après Pareil, il écrira encore une nouvelle valeur et ainsi de suite pendant tout le vol. Et après le vol, c'est là que le logiciel Blackbox Explorer va nous permettre de lire le contenu de la blackbox. On pourra se faire un replay du vol, mais d'un point de vue des données. Avant de s'attaquer à Blackbox Explorer, on va faire une passe sur Betaflight pour voir tout ce qui est à configurer pour pouvoir profiter de la blackbox. Donc, je vais me connecter à un quad et la première étape, c'est de configurer ou pas, vous allez voir, un switch pour piloter la blackbox. Donc, si vous allez dans vos modes. Vous verrez qu'il y a une ligne qui est dédiée à la black box. Donc moi je l'ai mis sur mon auxiliaire 4. Donc là vous avez deux possibilités soit vous déclarez un inter qui vous permettra d'activer l'enregistrement de la black box, soit vous décidez de ne pas déclarer d'inter et dans ce cas-là l'enregistrement de la black box sera permanent à partir du moment où vous armerez votre quad, ça enregistrera dans la black box. Évidemment, tant qu'il y aura de la place, quand il n'y aura plus de place, ça arrêtera d'enregistrer. Alors là, c'est à vous de voir ce que vous préférez et s'il vous reste un interne de libre, à noter que quand on active la black box, ça consomme quand même un petit peu de CPU. Ouais, c'est pas méchant, c'est pas très grave, mais il faut quand même le savoir. Ensuite, on va passer à la configuration de la black box en elle-même et là, vous avez un onglet qui est dédié en bas à gauche ici. On va commencer par passer en revue les différents éléments de configuration. Le premier, ben, c'est l'emplacement de stockage de la black box. Alors déjà, il faut avoir une EFC qui contient le matériel qu'il faut pour pouvoir faire de l'enregistrement de black box donc là par défaut il me dit d'utiliser la mémoire qui est sur la fc sur la carte parce que j'ai de la mémoire euh, intégrée dans certains cas la n'embarque pas de mémoire mais dispose d'un port de carte micro sd pour pouvoir loguer directement sur la carte dans ce cas là c'est aussi ici que vous l'indiquerez et sinon vous pouvez complètement désactiver l'enregistrement ou utiliser le port série si vous avez connecté une black box externe sur un des uart de votre fc bon ça c'est quand même un peu plus rare qu'on le fasse mais c'est possible de le faire quand votre fc n'embarque pas une black box le deuxième élément de configuration, c'est la fréquence d'enregistrement de la black box. Alors, tout à l'heure, je vous ai un petit peu menti en vous disant qu'on enregistrait à chaque tour. En réalité, ça dépend de la configuration qu'on met ici. Si on configure la même fréquence que la boucle PID, dans ce cas-là, effectivement, on va enregistrer à chaque tour. Mais c'est très rare d'avoir besoin d'enregistrer avec une telle fréquence. Alors déjà, toutes les mémoires et toutes les cartes SD ne vont pas forcément le supporter. Et en plus, au-delà de 2 kHz, en général, c'est complètement inutile. À moins d'avoir vraiment un point ultra technique qui va imposer d'utiliser une autre fréquence. Ce qui est vraiment très très rare. En général, une fréquence autour de 2 kHz est suffisante. Donc là, je suis sur une FC à base de F4. Donc ma boucle PID est configurée pour tourner à 4 kHz. Et du coup vu que je veux loguer à 2 kHz, et eh bien je veux loguer à un tour sur deux. Donc ça me permettra de faire du 2 kHz. Je peux même vous montrer hein, ce que ça donne avec une EFC à 4 kHz. Donc je vais me mettre sur configuration, je vais passer la boucle PID à 8 kHz. On sauvegarde et on démarre. Et maintenant si je vais dans, dans la black box, par défaut, il a gardé le fait de loguer un tour sur deux, sauf que maintenant que je suis à 8 kHz, ben un tour sur deux, ça donne une fréquence de 4 kHz. Donc si maintenant je voulais loguer à 2 kHz, eh bien je passerais, au lieu de 1 sur 2, je mettrais 1 sur 4. Et voilà. Donc là, je loguerai bien à 2 kHz avec une boucle PID à 8 kHz. En fait, peu importe le rapport, contentez-vous de regarder la valeur entre parenthèses, ça vous montre à quelle vitesse ça va réellement loguer. Troisième élément de configuration, c'est le mode de debug, je reviens dans un instant. Je vais d'abord parler des données incluses. Alors ça c'est une nouveauté de Betaflight 4.5. Avant par défaut, il ne nous donnait pas le choix, il loguait une certaine quantité d'infos. Maintenant, il nous permet de sélectionner exactement ce qu'on veut mettre dans la backbox. Donc on a par défaut tout est sélectionné, hein. l'accéléromètre, l'altitude, la batterie. Euh, le debug, le GPS, le gyro, le Giro non filtré. Le gyro non filtré, ça c'est une nouveauté. Hein. Avant, on devait activer un mode de debug spécial pour avoir les valeurs non filtrées euh, du gyro. Donc, maintenant, c'est intégré par défaut. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Euh, le compas, les moteurs, les PID, RC Command. Et RPM, RPM aussi, euh, donc les, la vitesse de rotation de nos moteurs. Pareil, ça c'est automatiquement logué. Avant, c'était un mode de debug qu'on devait activer. Donc, vous pouvez maintenant vraiment customiser le contenu de votre black box. Par exemple, si tout ce qui vous intéresse, c'est la trace GPS pour pouvoir reproduire euh, sur une carte votre parcours. Ben, à la limite, vous allez tout décoché et vous allez seulement activer le GPS. Si vous utilisez la black box uniquement pour produire euh, les déplacements de vos sticks en 3D, mais dans ce cas-là, vous allez uniquement garder le, euh, le RC commande le 7.9hz c'est commande je pense et ça vous suffira pour générer le rendu des sticks l'intérêt de faire ça c'est d'avoir des black box plus légères mais qui vont quand même répondre à votre besoin donc vous serez en mesure de stocker les données de vol beaucoup plus long si vous stockez du coup moins de données et d'ailleurs dans la même idée si vous avez uniquement besoin de faire la trace GPS ou du suivi de stick euh, là pour le coup ça sert à rien de se mettre à 2 kHz vous pouvez vous mettre à beaucoup plus faible ou un 16ème par exemple à loguer à 500 Hz. Ça suffira hein, pour faire du, du suivi sur une, euh, sur une carte par exemple. Et je finis donc avec le mode de debug. Et ça, ça va vous permettre d'ajouter encore des informations additionnelles dans votre black box en plus de tout ce qui est sélectionné ici vous allez pouvoir vous intéresser à un aspect très très particulier de votre quad. Par exemple, avant Betafile 4.5, quand on n'avait pas le gyro non filtré d'intégrer directement à la black box, on devait activer un mode de debug qui s'appelait le scale. Donc ça nous permettait d'avoir les données non filtrées. Ça c'est fini, on n'a plus besoin de l'activer, donc ça c'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'on va pouvoir activer d'autres modes à la place de celui-ci pour avoir encore d'autres données à analyser. Or pour info, le RPM qui est maintenant stocké par défaut dans la black box, ça correspondait au mode avant qu'on activait Dishot euh, RPM télémétrie. Donc, ça c'est pareil, on en a plus besoin maintenant. Et après, voilà, s'il y a d'autres modes que vous voulez activer, comme par exemple le Dynamic Idle pour euh, étudier le comportement Dynamic Idle, euh, ben vous pouvez activer ce mode. Si vous voulez étudier par exemple le comportement du filtre notch dynamique, vous pouvez par exemple activer le FFT Freq, qui va permettre de suivre la fréquence centrale des différents notes que vous avez activés. Si vous voulez en savoir plus sur les différents modes de debug, il hein, y a une page sur le wiki de Betaflight qui décrit vraiment le contenu de, de chacun des modes disponibles. Voilà, je vous laisserai jeter un oeil, on mettra le lien dans la description. Une fois que la black box est configurée, vous pouvez aller sur le terrain, faire votre vol, loguer des datas et ensuite vous allez pouvoir récupérer votre black box. Et pour faire ça, c'est tout simple. Alors déjà ici euh, on a un aperçu de la mémoire embarquée. Donc là on voit que sur ma black box, j'ai consommé 3,6 mégas sur les, les 16 mégas qui étaient disponibles. Pour pouvoir y accéder, c'est tout simple, il suffit d'activer le mode de périphérique de stockage et dans ce cas là votre FC va se comporter comme une clé USB. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton, l'AFC va redémarrer et passer en mode clé USB. Comme vous pouvez le voir, j'ai accès à tous les fichiers de black box qui sont stockés sur l'AFC. Alors pour info, le gros fichier qui s'appelle BTFL All, en fait c'est juste l'agrégation de toutes les autres black box. Donc si vous préférez avoir des black box séparés, récupérez les fichiers un par un. Donc en gros ici vous récupérez les fichiers qui vous intéressent, tous, un seul, à vous de voir. Et vous copiez ça sur votre disque dur. Et une fois que c'est fait... Vous pouvez vider la carte. Alors, pour ce faire, euh, première chose, tant que vous êtes connecté en USB, comme ça, vous pouvez plus évidemment accéder à Betaflight de manière normale. Donc, il va falloir soit débrancher à l'arrache l'AFC, soit éjecter proprement via votre système d'exploitation euh, la clé. C'est ce que j'essaie de faire en général, donc ce ne soit pas très important, je pense. Et une fois que c'est fait, on débranche l'AFC, on rebranche l'AFC, et elle est à nouveau détectée et on peut aussi reconnecter normalement. Donc maintenant dans l'onglet Blackbox, maintenant que j'ai récupéré ce qui m'intéressait, je vais faire effacer la mémoire. Donc il vous demande si vous êtes sûr de votre coup, vous dites oui et là ça prend un petit peu de temps, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Comptez environ une vingtaine de secondes pour formater le contenu de la mémoire de la Blackbox. Voilà, et évidemment quand vous effacez la mémoire interne, ça efface pas du tout votre config de Betaflight, hein, c'est juste les Blackbox. On a récupéré le fichier, on va enfin pouvoir lancer Blackbox Explorer pour l'analyser. Première nouveauté, avec la dernière version de Blackbox Explorer, le mode de distribution a changé. Auparavant, il fallait se rendre sur GitHub et télécharger le logiciel. Maintenant, c'est devenu une web application, donc il suffit de se rendre à une URL bien précise pour charger l'application dans le navigateur. L'adresse à saisir, c'est blackbox.betaflight.com. Et vous arrivez directement sur la page d'accueil de Blackbox Explorer. Alors les applications en ligne, c'est toujours un petit peu embêtant parce que euh, parfois on aime pouvoir y accéder de manière hors ligne. Par exemple si on est sur le terrain et qu'on n'a pas de connexion Internet, on veut quand même pouvoir lancer Blackbox Explorer. Alors je vous rassure, c'est tout à fait possible. Euh, la solution dépendra de votre navigateur. Pour Chrome, c'est tout bête. Dans la barre d'adresse, vous avez un petit icône ici qui permet d'installer BetaFlight Blackbox Explorer. Vous cliquez dessus. Ça vous propose de l'installer. Vous dites installer. Là, alors vous ne le voyez pas, mais j'ai un message qui me dit, souhaitez-vous épingler BetaFlight euh, Blackbox à votre barre des tâches Donc je dis oui. Et hop, je me retrouve avec un raccourci pour démarrer euh, l'application Blackbox Explorer. Donc maintenant, je peux cliquer sur euh, le raccourci dans la barre des tâches. Et ça me démarre l'application voilà, qui est maintenant dans son propre conteneur. Hein, elle n'est plus dans un navigateur. Si vous voulez désinstaller, vous avez les trois petits points ici. Et vous cliquez sur désinstaller BetaFlight. Et là, ça va vous désinstaller l'application. Et voilà, euh, vous pourrez toujours y accéder via le navigateur si vous le désirez, mais vous ne l'aurez plus euh, en local. Nous, on va quand même la garder en local parce que c'est comme ça qui nous arrange le plus. Et si votre navigateur n'est pas Chrome, vous pouvez cliquer ici sur le raccourci vers le numéro de la version euh, 3.7.0. Ça va vous emmener sur le GitHub euh, du projet. Et euh, vous avez ici euh, les solutions pour euh, installer en local l'application si vous utilisez Edge, si vous utilisez euh, Mozilla ou, euh, ou un Mac. Pour réellement rentrer dans l'application, il faut charger une black box, donc soit en cliquant sur le bouton ici, soit tout simplement en faisant glisser un fichier black box sur l'interface. Petite remarque en passant, si sur une même lipo vous avez fait plusieurs vols, donc vous avez armé et désarmé plusieurs fois, votre black box va être découpé en plusieurs sous-black box. Et donc pour sélectionner celle qui vous intéresse, vous avez la liste déroulante ici en haut à droite qui va vous permettre de sélectionner le vol qui vous intéresse. Donc là, pour le coup, dans ma black box, j'ai deux, euh, deux sous-black box. Une première qui dure 6 secondes et une autre de 2 minutes 46, qui est bien celle qui m'intéresse. Donc il faut sélectionner évidemment celle qui vous intéresse. Donc lors du premier lancement, l'interface est vierge. Hein, vous n'avez pas encore les outils. Pour pouvoir analyser votre black box, pour ça, il va falloir se construire un espace de travail adapté à ce qu'on veut analyser. Alors je vais commencer par vous montrer comment créer euh, le début de cet espace de travail, sur que vous voyez comment ça se passe. Et ensuite, euh, je chargerai l'espace entier que moi j'ai déjà fait. Ce sera beaucoup plus rapide et je vous le mettrai également à disposition si vous voulez le télécharger. Donc pour personnaliser notre espace de travail, on clique ici sur le Graph Setup. Alors d'abord, on a la possibilité de charger des templates tout faits si on le souhaite. Là, nous, euh, ce qu'on veut, c'est charger les courbes des gyros non filtrés, filtrés et euh, la consigne pour les trois axes donc on va créer un graphe custom donc le premier on va l'appeler euh, roll parce qu'on va commencer par l'axe du roll on va aller chercher le signal gyro non filtré du roll on va rajouter un autre champ pour ajouter le signal filtré euh, du roll donc c'est le gyro tout court le gyro roll et on va rajouter la consigne pour le roll donc c'est le set point euh, du roll ensuite on va ajouter un autre custom graph cette fois-ci pour le pitch Pareil, on va chercher le euh, unfiltered gyro pitch on rajoute le euh, gyro euh, pitch pour avoir le signal filtré et enfin le set point sur le pitch on fait la même chose maintenant pour le yo on rajoute le signal euh, non filtré du yo on rajoute le signal filtré du Yo, et on rajoute le set point du Yo. Voilà. Et là, vous voyez, on ne voit plus les boutons en dessous, tout bêtement. Hein, il suffit de scroller, et vous descendez, et vous avez le bouton Apply Changes ici pour, euh, pour appliquer tout ce qu'on qu vient de configurer. Donc on fait Apply, et là, on se retrouve bien avec toute notre configuration qui est chargée euh, sur la droite, et on peut voir hein, les courbes ici qui commencent à s'afficher. Si vous voulez retrouver cette config au prochain chargement, il faut la sauvegarder. Donc la première étape va être ici euh, de cliquer sur Enregistrer sur le premier emplacement, Empty. Et vous allez pouvoir lui donner un nom en cliquant sur le petit stylo. On va l'appeler Giro par exemple. Giro Noise. Entrée. Comme on l'a renommé, on va le sauvegarder. Et voilà, notre premier espace de travail, c'est Giro Noise. Alors maintenant, si on a envie de créer un deuxième espace de travail. Mettons pour étudier les commandes des stick. Eh bien on va cliquer sur la disquette d'un autre emplacement. Si vous cliquez sur M't, là il ne se passe rien du tout. Hein. Donc il faut cliquer sur la disquette. Et là on bascule sur le deuxième environnement. Alors par défaut, il reporte tout ce qu'on avait dans le premier environnement. Nous ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc on refait Graph Setup. On supprime tous les graphes. Et on va rajouter juste ce qui nous intéresse. Pour le coup, là, va, pour aller plus vite, on va rajouter un template, on va prendre le RC commande. Donc là, ça apparaît ici, mais vous verrez, quand je vais faire Apply Changes, il va bien rajouter tous les champs qui sont associés au template. Donc Apply Changes, et voilà, on se trouve avec le RC commande et on a euh, le RC commande des, euh, des 4x. Là, c'est pareil, on peut lui donner un nom, on va l'appeler euh, euh, Stick hein, par exemple. On fait Sauvegarder et là, on a bien sauvegardé. Les deux espaces de travail. Alors, c'est pas hyper intuitif hein, de devoir cliquer sur le bouton sauvegarder pour basculer sur un nouvel environnement. Bon, c'est comme ça. Voilà, faut le savoir. Et après, on y fait attention. Et du coup, maintenant, je peux repasser sur mon premier environnement. Voilà. Là, je peux basculer entre les deux et j'ai bien ma config qui, qui est sauvegardée. Ça c'est la version manuelle, mais si vous avez à votre disposition un fichier qui contient un espace de travail complet, vous pouvez le charger. Ça vous évite de tout faire à la main. Donc pour charger un fichier, on va cliquer sur euh, le fichier qui permet de tout ouvrir dans l'application. Ici, euh, Open Log euh, File Video. Ça permet d'ouvrir des fichiers de Blackbox, des fichiers vidéo et des fichiers de template d'environnement. Donc on va cliquer là-dessus et on va sélectionner le workspace qui nous intéresse. Ici, moi je vais prendre le workspace euh, gg.json. Il nous dit workspace loaded. Donc voilà, c'est chargé et on retrouve bien tous mes workspaces. Alors là, moi j'ai mis ce que j'utilise euh, 99% du temps, donc il y a ce qu'il faut. Il reste quelques emplacements de libre hein, si on veut rajouter des trucs custom. Mais je pense qu'il y a déjà de quoi faire. Donc ce template, je vais vous le mettre en lien dans la description de la vidéo et dans l'article sur le blog. Mais si vous voulez aller encore plus loin, il y a d'autres templates de dispo. Je vous encourage dans ce cas de regarder du côté de chez Markspatz, donc euh, UAV Tech. Et c'est pareil, il propose un template ultra complet. Donc pour récupérer son template, vous allez sur son site euh, theuavtech.com. Ici vous avez une catégorie qui s'appelle Blackbox, vous cliquez dessus et vous aurez accès à tous ces templates pour les différentes versions de Blackbox Explorer. Donc là la dernière c'est la version 3.7. Je vous propose de passer rapidement en revue les différents Workspace que j'ai configurés chez moi et que vous pouvez récupérer. Le premier c'est un peu la même chose qu'on a commencé à configurer ensemble, il va contenir le signal giro non filtré, le signal giro filtré et le setpoint pour chaque axe. En plus de ça, j'ai laissé les moteurs. Au cas où, des fois, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe. Pour info, dans ce premier espace de travail, j'ai utilisé le Unfiltered Gyro. C'est le nouveau champ qui est ajouté de manière systématique dans les Black Box depuis Betaflight 4.5. Mais dans le cas où je récupérais une vieille Black Box qui a été faite en version 4.4 ou version 4.3, en tout cas dans une version antérieure de Betaflight, dans ce cas-là, on n'a pas le Gyro Unfiltered. Et on passait par le mode de debug Gyro Scaled. Donc, le deuxième workspace c'est exactement le même que le premier sauf que pour récupérer le signal euh, gyro non filtré au lieu de prendre le unfiltered on va chercher le gyro scaled qui revient exactement à la même chose. Le troisième workspace concerne les moteurs donc là vous allez retrouver dans un premier temps les commandes moteurs qui sont envoyées par le firmware. Donc ça c'est ce que l'AFC voudrait que le drone fasse, hein. c'est pas forcément ce qu'il va faire mais en tout cas c'est ce que l'AFC demande. Ensuite vous avez les RPM qui sont enregistrés depuis Betaflight 4.5 de manière automatique dans la backbox. Et là pour le coup, c'est la vitesse de rotation réelle des moteurs qui est affichée ici. Ensuite, on a un espace de travail qui est destiné à l'analyse des commandes des sticks. Donc, on va pouvoir voir vraiment le signal entrant, donc celui qui arrive de la radio, et euh, le set point qui est calculé à partir euh, du RC commande. On verra quelques cas d'utilisation concrets euh, un peu plus tard. Les deux écrans suivants viennent de chez Maxpat. Donc, le premier, euh, c'est le stick tracking. Donc là, ça permet de voir dans quelle mesure les moteurs suivent bien les, euh, les commandes envoyées, euh, envoyées au quad. Ensuite on a euh, un écran dédié euh, au Pideror. Je l'utilise quasiment jamais, hein, mais si on veut regarder... Euh Comment évolue l'erreur au cours du temps et comment réagissent les P et les D en fonction de l'erreur. Donc C'est par ici que ça se passe. Les écrans 5 et 6, hein, je n'utilise pas spécialement, mais je les ai mis au cas où. Et enfin, euh, le euh, workspace 7 est dédié au mode de debug qui est sélectionné. Donc là, ça va vous permettre vraiment de voir ce qui est logué en fonction du mode de debug que vous avez choisi. Donc par défaut, ici, ce qui nous intéresse principalement, c'est euh, les courbes de debug. J'ai quand même laissé ici euh, les courbes gyro et de PID concernant le rôle parce que selon les modes de débug, euh, parfois, il log uniquement les informations concernant l'axe de débugging. Et souvent, cet axe de débug, c'est le rôle. Voilà. Ça, j'ai laissé pour info. Euh, vous pouvez le virer hein, si vous le souhaitez. Et j'ai aussi laissé les moteurs. Parce que c'est toujours intéressant de, de voir ce qu'on a, qu a en sortie. Et derrière, il reste quelques emplacements vides si vous voulez créer des espaces de travail vraiment customisés pour vos propres besoins. Je vous propose maintenant de faire un petit tour de l'interface pour voir un peu toutes les options qui se présentent à vous, que ce soit les boutons et les différents composants affichés. Tout d'abord, tout en bas à gauche, vous avez une petite barre qui résume les principales caractéristiques de cette Black Box. Donc vous allez avoir la version de Betaflight. Donc là, par exemple, je suis sur une Black Box qui a été faite avec une version 4.4.1 de Betaflight. À côté, vous avez la version du build. Vous avez le microcontrôleur embarqué, donc là c'est un STM32 euh, F7. Vous avez la tension au démarrage de la black box, donc là c'était du 6S et j'étais à 25 volts. Ensuite on retrouve la fréquence de la boucle PID et la fréquence du gyro. Donc là on voit que les deux sont à 8 kHz. Et ce que vous voyez ici, 125 microsecondes, c'est tout simplement la période associée euh, à cette fréquence. Hein. Donc là si on prenait euh, si on prend si on prend 1000 millisecondes, donc une seconde divisé par euh, 8000. Ça nous donne 0,125 millisecondes, donc 125 euh, microsecondes. Voilà. Donc, ça, ça vous donne le temps qui s'écoule entre deux tours de boucle. Et enfin, vous retrouvez le sample rate. Donc, ça, c'est la vitesse à laquelle on écrit dans la black box. Donc, là, on était à un sample rate de 1 sur 4. Donc, on écrit dans la black box euh, une fois tous les 4 tours euh, de boucle PID. Donc, vu qu'on est à 8 kHz, donc un quart, ça fait euh, 2 kHz. Donc là notre black box, elle a 2 kHz et ça c'est très bien pour faire la plupart des analyses, notamment tout ce qui concerne les vibrations. Ensuite ici évidemment on a l'affichage bah, des données hein, qu'on a sélectionnées dans notre espace de travail. Donc ce qui est intéressant c'est que la barre rouge au milieu c'est le curseur, hein, donc c'est là où on est positionné exactement dans la black box. Pour se déplacer dans la black box vous avez plusieurs façons de faire. L'une d'elles quand on veut être relativement précis hein, c'est euh, on clique simplement ici sur, euh, sur l'écran principal et on fait glisser euh, bah, les données, donc euh, on fait glisser vers la gauche pour avancer dans le temps et vers la droite pour revenir dans le passé. Alors ça, ça permet d'être précis, de faire des petits déplacements. Si vous voulez vous déplacer beaucoup plus vite, vous avez en dessous ici une autre barre. Alors par défaut, elle affiche en fait le comportement que vous avez eu sur toute votre black box au niveau de l'utilisation des gaz. C'est pas mal pour se repérer. Hein. Donc si vous êtes sur un pic là, les pics élevés, c'est là où vous étiez euh, à fond euh, de gaz. Donc par exemple, hein, si je vais n'importe où, si je clique, hop, je me rends directement à son endroit. -là. Et si je garde appuyé, hein, je fais défiler très très rapidement la black box. Si je veux me positionner au niveau de ce pic, eh ben, je clique euh, ici. On va ensuite passer rapidement euh, en revue les principaux boutons en haut. Le bouton New Window vous permettra de démarrer une nouvelle session de Blackbox Explorer dans une autre fenêtre. Le bouton Export Video ben, vous permettra d'exporter ce qui se passe là. Si vous avez intégré une vidéo, parce que le bouton Open Log File et vidéo vous permet d'intégrer une vidéo de votre vol. Donc si vous voulez superposer vos courbes à votre vol réel, vous pouvez ici, en chargeant la vidéo de votre vol, il faudra juste recaler. Euh, comme il faut, le, la synchro entre la black box et, euh, et la vidéo. Donc là, vous avez la possibilité d'exporter la vidéo, que ce soit juste les courbes ou euh, les courbes avec votre propre vidéo de vol. Ici, vous avez un bouton pour exporter les espaces de travail. C'est comme ça qu'une fois que j'avais préparé le mien, je l'ai sauvegardé et que je l'ai mis à disposition. Euh, L'export CSV, ben, ça permet simplement d'exporter tout le contenu de la black box mais sous forme de fichier CSV. C'est un fichier que vous pouvez ouvrir par exemple avec Excel. Hein, toutes les données sont séparées par des points-virgules. Euh, bon, C'est assez lourd à manipuler, mais si vous avez un besoin très particulier comme faire de l'extraction, d'un truc bien précis, ça peut être un moyen de le faire. Euh, et le bouton euh, open me ben, permet de tout ouvrir, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit des blackbox, des vidéos ou euh, des templates euh, d'espace des de travail. Là, on ne le voit pas, mais si jamais j'avais chargé une blackbox qui contenait des données GPS, on aura un bouton supplémentaire qui nous permettrait euh, d'exporter la trace GPS. Ça me permettrait de la charger dans un autre logiciel euh, comme Google Earth, ce qui me permettrait de reproduire le tracé du vol euh, dans ce logiciel. On va maintenant passer en revue toute la barre d'outils qui se trouve au-dessus ici. Le bouton i va vous permettre de consulter les informations d'en-tête de la Black Box. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. En gros, c'est un résumé de la configuration du drone euh, sur lequel a été enregistrée la Black Box. Donc alors, si c'est votre config à vous en général, vous savez à peu près comment c'est configuré. Mais quoique, hein, si pendant la session vous avez testé plein de réglages différents, bah, ça permet de bien vérifier euh, à quoi correspond chacune des black box. Mais si la black box vient pas de vous, ça vous permet de voir comment la personne a configuré sa machine. Donc vous allez retrouver les PID, vous allez retrouver les rates, vous allez retrouver... Le filtrage, etc. Il n'y a pas tout, mais il y a quand même une grosse partie de la config. L'icône suivante, c'est une vue des données sous forme de table. Alors euh, Avant, euh, dans l'écran principal, on voit les données sous forme de courbe. Ici, bah, ça vous affiche toutes les données qui sont dans votre black box. Et donc là, ça affiche les données qui sont euh, à l'emplacement de notre curseur. Si on déplaçait le curseur, eh ben, on verrait les données évoluer. On peut le faire d'ailleurs. Vous voyez Les données évoluent euh, quand le curseur se déplace. Bon, c'est un autre moyen de parcourir la black box, mais c'est un petit peu moins visuel que les courbes. Hein. Si on revient aux courbes d'ailleurs, regardez bien, quand on se déplace, toutes les valeurs euh, bougent. Hein. Enfin, concernant le gyro ou les set points qui sont mesurés en degrés par seconde, ben, voilà. quand la, la black box évolue, on voit bien toutes les valeurs de la black box changer en même temps. Voilà. Le bouton suivant, overlay, permet de cacher ou d'afficher euh, un petit modèle 3D du drone. Donc ça c'est pas mal pour voir bah, ce qui se passe euh, au fil de la black box. Hein. On va l'afficher là, je ne sais pas pourquoi je l'avais désactivé. Et là vous voyez, bah, en fonction, euh, on va, là, on va ici. en fonction du vol, vous voyez comment se comporte votre drone. Donc là vous le voyez bouger en temps réel par rapport aux actions, que, aux actions qui sont faites. Donc là, typiquement, si on cherche de l'activité sur le roll, donc par ici, on voit que si on passe par dessus, vous allez voir que le drone, il va présenter une activité sur le roll. Là pour le coup, je fais des demi-coups de roll pendant que je fais mes vols de tune. Regardez bien, hop, On voit le drone qui fait son, son demi-roll, tac et tac. Et d'ailleurs, le bouton juste après permet de cacher ou d'afficher les sticks ici. Donc on va les afficher. Pareil, quand on rentre dans le roll, donc dès qu'on atteint la vitesse maximum du roll là-haut. Regardez bien, hop, le stick il est à fond, euh, à fond sur la droite. Donc là le drone tourne à fond. Et dès qu'on sort de ça, dès qu'on redescend, hop, on voit le, le stick qui redescend vers le centre. Et dès qu'on redescend vers le centre, le drone s'arrête de tourner parce que la vitesse angulaire tombe à 0. Donc on voit que la vitesse angulaire elle est autour de 0 pour le set point et en réalité il est à moins 3 degrés par seconde. Donc on a vu ces deux boutons-là. Celui-ci, l'analyseur de données, euh, on se le réserve pour tout à l'heure parce qu'il est un petit peu particulier. Euh, cette black box a été faite avec euh, mon quad qui a euh, un GPS équipé, et on a un nouveau petit bouton, vous voyez, qui est apparu euh, ici là-haut. Et si je clique dessus, c'est pas magnifique. On voit donc mon, mon quad, là, donc, euh, là où j'étais, hein. on voit sur la carte, et surtout on voit tout le trajet du vol. Voilà. Et si euh, on démarre le vol. Hein, on avance un peu, et ben on voit vraiment le, ben le déplacement du quad euh, en temps réel sur, le, sur son parcours. Donc, ça, c'est un truc qui est sympa. Hein. Tout est consultable directement dans la black box hein, sans rien faire de spécial. J'ai simplement ouvert ma black box, cliqué sur le bouton pour ouvrir la map et euh, ben je retrouve. Euh, mon vol ensuite vous avez des boutons qui permettent réellement de rejouer la black box en temps réel c'est vrai qu'en général on s'intéresse à des comportements particuliers donc on sait où aller dans la black box on cherche des endroits particuliers mais on peut aussi laisser la black box se jouer faire véritablement un replay de notre black box donc on se met à, on se met n'importe où on appuie sur play et voilà ça joue la black box hein, comme si c'était un film en temps réel et on voit le comportement de nos drones durant durant tout le vol voilà. On peut mettre sur pause, on peut accélérer d'un coup, on peut reculer un petit peu, euh, on peut euh, aller à la fin directement, on peut retourner directement au début. Bon, voilà. C'est comme si on était sous VLC, sauf que lieu de faire tourner un film, on fait défiler euh, les données de la black box. Petite remarque en passant concernant le modèle 3D, vous voyez hein, que euh, la vitesse de rotation des moteurs est symbolisée ici par, par un aperçu en couleur. Qui nous montre bah, plus les moteurs tournent vite et plus la partie colorée est, est grande. Voilà. Ça aussi, hein, ça aide à, à se repérer, surtout au début, quand on n'est pas forcément complètement à l'aise avec les courbes, à voir ce qui se passe. Le modèle 3D peut aider un peu à s'y retrouver, même si parfois il fait un peu des trucs chelous, hein, sur des flips ou sur des rolls. Des fois, il fait des, il fait des trucs un peu bizarres. Bon. Voilà, faut pas se formaliser. C'est quand, quand même pratique d'avoir cet aperçu. Ensuite vous avez un curseur pour régler la vitesse, si vous voulez aller en accélérer, vous voyez là je suis à vitesse normale, si je passe à 300%, ça va beaucoup plus vite. Si je reviens à la vitesse normale, on revient. Bon voilà, si vous voulez faire défiler le rôle au ralenti, ça peut être, ça peut être une solution. Bon, encore une fois, c'est des trucs que j'utilise jamais ça. Je ne vois pas trop quel peut en être l'intérêt, mais bon, voilà, sachez que ça existe. Ensuite si vous voulez zoomer sur des endroits particuliers, que ce soit ici, par exemple sur le signal moteur ou sur euh, des mouvements sur d'autres courbes, vous avez ici un curseur de, de zoom qui va permettre de se focaliser sur un point particulier euh, de la courbe. Donc là je suis à 100%, vous voyez, si je zoome à 1000%, bon, voilà, je suis à j'ai une vue de plus proche de mes courbes. Bon, on va se remettre à 100%, ça me suffit, ça me va bien. Ici, vous avez euh, bah, le, le temps où on en est dans la black box. Donc, si, si on avance, le temps défile. Voilà. Et pareil, si vous déplacez manuellement, hein, le temps euh, défile. Ici, on a la sélection de l'espace de travail. Alors, on l'a vu tout à l'heure. Hein, vous il suffit de cliquer dessus et sélectionner celui qui vous intéresse. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser les raccourcis numériques du clavier. Hein, pas ceux qui sont à droite, pas le pavé numérique, mais au-dessus euh, au-dessus de l'alphabet, au-dessus des lettres. Euh, je vous appuie sur un on passe sur le premier euh, workspace. 2, 3, 4, 5, voilà, c'est un raccourci pour se déplacer rapidement de workspace en workspace. Avant de passer sur quelques exemples concrets d'analyse, on va se pencher sur les outils à notre disposition pour faciliter la lecture des courbes. On va essayer de se trouver un passage où on fait des coups de rôle rapides et on va regarder tout ça d'un peu plus près. Donc on en avait un tout à l'heure euh, au début. Euh, bon, voilà, ils sont par ici. Voilà. Là on a deux coups de rôle. On va se mettre par ici. Alors déjà première chose, si vous voulez vous intéresser à un axe en particulier. Et que tous les groupes de courbes ne vous intéressent pas forcément, vous avez la possibilité de vous focaliser uniquement sur ce groupe en cliquant tout simplement dessus. Donc voilà, ça permet de voir le rôle beaucoup plus en détail ici. Donc là, on a trois courbes. En rouge, on a le signal non filtré, le gyroscaled. Donc on n'a pas le gyro unfiltered parce qu'on est sur une black box en version 4.4.1, pas en 4.5. et On s'est mis du coup sur le deuxième espace de travail. En vert, on a une courbe qui correspond au signal gyro après filtrage. Et en jaune-beige, là, on a le set point, donc notre consigne. On l'a expliqué plein de fois dans les différentes vidéos, euh, que ce soit le signal 0 ou le set point, ils sont exprimés en vitesse angulaire, donc en degrés par seconde. Hein. Et tout le but de notre drone, c'est que euh, le signal 0, donc la position réelle de notre drone, suive la consigne qui est fournie ici, donc le set point. Donc le set point ça correspond à ce qu'on a euh, envoyé via Gnostic. On va regarder ça d'un petit peu plus près, donc on, on va zoomer. Alors on va en profiter, je n'utilise pas souvent, donc là on en profite. Petite astuce en passant, quand vous survolez une courbe, ça la met en surbrillance, donc ça ça facilite aussi la lecture des, des courbes. Si je passe au-dessus du set point, voilà, il apparaît en surbrillance. Le gyro et le gyroscale. Donc là c'est flagrant, hein, le set point arrive en premier, forcément, hein, puisque c'est la consigne de Gnostic. Et le quad, comme il n'a pas une réaction instantanée, les signal Giro arrivent un petit peu derrière. Le premier signal qui arrive derrière, c'est le signal gyroscale, donc le signal gyro non filtré, donc il arrive avec un petit délai. Et juste derrière, avec encore un petit délai, on voit le signal gyro filtré. Ça, on l'a expliqué dans la vidéo sur le filtrage pourquoi le filtrage rajoutait du délai. Donc on ne va pas faire la vidéo maintenant, mais voilà, vous constatez bien ce petit délai dû au filtrage qui est visible ici. Et au passage, hein, on constate bien que euh, le signal gyro euh, non filtré, ben, il présente quelques euh, petites imperfections alors que le signal gyro après filtrage, il est beaucoup plus lisse. Voilà, on va revenir dans une vue à 100%. Une autre petite astuce, si des courbes vous gênent dans l'analyse que vous faites, vous pouvez tout simplement les masquer en cliquant sur le petit œil. Donc, par exemple, si là le gyro euh, scaled, il m'embête et que je ne veux pas le voir, je clique sur le petit œil et ça va la masquer. Et donc c'est pareil, si lui ne m'intéressait pas, je pourrais le masquer également. Voilà, et là, il ne nous reste plus que le set point. Bon on va tout remettre hein, parce qu'on n'a pas de raison de masquer les courbes, tout nous intéresse. Pour revenir à la vue globale de notre workspace, deux possibilités soit vous le sélectionnez dans la liste déroulante ici, soit vous cliquez à nouveau tout simplement sur le rôle et vous remontez voilà, à la vue complète. Deux autres petits raccourcis clavier qui peuvent être intéressants c'est euh, des raccourcis qui vont vous permettre de déclarer l'entrée de la black box et la sortie. Alors ça, ça peut valoir le coup parce que souvent, euh, soit on veut étudier. Un, une portion particulière de black box, on veut ignorer ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Soit tout simplement, en général, quand euh, on arme, le quad vibre sur le sol, ça génère plein de vibrations pourries et on ne veut pas en tenir compte dans notre black box. Donc on veut ignorer le début de la black box. Alors pour ce faire, ben, il suffit de, de trouver l'endroit où vous voulez démarrer. Donc Là on voit que je viens d'armer euh, et on voit que mes moteurs, ils s'excitent hein, un peu dans tous les sens alors que les gaz sont à zéro. Donc là, euh, le quad il est au sol, hein, il décolle pas, il fait des vibrations. Donc typiquement tout ça c'est de la donnée pourrie qui ne m'intéresse pas et là je vois que d'un seul coup les moteurs ils vont se calmer donc il y a de fortes chances qu'à ce moment là euh, j'ai commencé à monter les gaz et que je sois dans les airs et qu'il n'y ait plus de vibration contre le sol. On va vér vérifier si c'est vrai. Et on voit effectivement que le throttle monte. Voilà. Donc là clairement hein, je suis à 25% de throttle donc le quad est dans les airs et on va se dire que c'est très bien pour démarrer ma black box. Donc pour insérer le point d'entrée je vais appuyer sur I comme input. Pour sélectionner la limite de fin, c'est pareil, on va à la fin de la black box et on retire toute la partie qui est un peu pourrie. Alors là, pour le coup, je pourrais m'en passer parce que j'ai des armées au-dessus du sol, donc il n'y a pas eu d'interférence due au sol. Mais si je voulais ignorer la fin de la black box, c'est pareil, je me positionnerai quelque part et j'appuierai cette fois-ci sur la touche O pour output pour définir la sortie de ma black box. Et voilà. Donc là, je travaille uniquement sur l'intervalle que j'ai sélectionné. Vous voyez, les parties en gris ici sont ignorées. Et cette vue, elle est aussi intéressante parce qu'elle va nous permettre de voir si on a de l'overshoot, c'est-à-dire du dépassement de consigne. Donc par exemple, si l'équilibre entre nos P et nos D n'est pas bon, bien on va se retrouver avec un signal euh, gyro qui va dépasser la consigne. Ou inversement, si on n'a pas assez de P par rapport euh, aux D ou qu'on a trop de D, euh, on va avoir un signal qui va être mou. Et le signal gyro, il va monter très lentement vers la consigne. Donc le but du jeu, encore une fois, c'est que euh, les euh, lignes du gyro rattrapent le plus vite possible la consigne sans la dépasser. Donc là, typiquement, bon l'exemple n'est pas très bon parce que là j'ai quasiment pas d'overshoot, c'est très très propre. Euh, Peut-être que sur le pitch, j'en ai un petit peu, donc on va chercher sur, euh, oui, c'est encore propre. On va chercher sur l'axe du pitch si j'ai pas des, des coups de flip. Peut-être qu'on verra un peu d'overshoot. Là, il y en a un petit peu par exemple. C'est... Très léger, bon, on peut regarder d'ailleurs de plus près, hein. on va entrer sur le pitch. Voilà. On a un exemple alors, infinitésimal d'overshoot où là on a le signal zéro qui dépasse un chouïa la consigne, Vous voyez, on passe un tout petit peu au-dessus, euh, Là, c'est pareil sur le second. Alors ça pour le coup c'est anecdotique, hein. je pense que c'est complètement invisible dans les lunettes, même dans la caméra. Et vaut mieux limite avoir un tout petit peu d'overshoot pour avoir un quad super réactif que l'inverse, avoir un quad qui va être un peu mou et qui va pas dépasser mais qui va mettre du temps à atteindre la consignes. Vous pouvez peut-être ajouter un poil de D si la machine peut le supporter. Bon, euh, ça ça me va, on s'en rend pas compte du tout en vol et c'est plutôt, euh, plutôt bien réglé. On va maintenant se pencher sur l'analyse des signaux associés à la position des sticks. Et pour ça, je vais reprendre l'exemple que j'ai utilisé dans la vidéo des filtres avec la black box de Chris alias FlatFPV. Donc là on va pas s'intéresser au reste, on va directement se positionner sur la vue RC Commande. Et euh, pour le coup, un hein, peu importe là que ça ne va pas changer grand chose. Donc on va en choisir un au pif on va prendre le roll et voilà, on va se concentrer là-dessus. Et on va chercher, on va avancer un peu pour voir ce qui se passe dans, euh, dans ce fichier. Voilà, ça c'est un bon exemple. La courbe en rouge correspond au RC commande, donc c'est vraiment la position des sticks telle qu'elle nous est envoyée par la radio et telle qu'elle est reçue par le RX et telle qu'elle est transmise à l'AFC. Donc on se retrouve avec ici le signal radio bah, qu'on voit arriver. Pour le coup, euh, on a un effet d'escalier, tout simplement parce que euh, la boucle PID tourne beaucoup plus vite. Que notre signal radio, donc le temps de recevoir un paquet du signal radio, la boucle PID a déjà fait pas mal de tours et pour le coup, le sample rate, donc qui est à ici 2 kHz dans notre black box, est aussi bien supérieur à la fréquence du signal radio. Donc C'est pour ça qu'on a un effet d'escalier. La courbe verte correspond au set point, donc à notre consigne. Donc, la consigne, pour rappel, on l'obtient en appliquant au RC commande nos rates et derrière, on applique également un lissage pour avoir une jolie courbe qui est bien lisse. Donc, comme on peut le voir ici, le set point. Euh, est relativement lisse par rapport au RC commande. Si jamais on voyait qu'au niveau du set point, l'effet d'escalier était vachement reproduit, là on, on devine hein, des petites imperfections, mais là c'est quasiment rien. Mais si l'effet d'escalier était un peu plus marqué au niveau du set point, ça voudrait dire qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de filtrage. Au niveau de notre set point, encore une fois, le rôle du régulateur PID, c'est de faire en sorte que le drone colle le mieux possible à la consigne. Donc, si la consigne présente un effet d'escalier, les moteurs vont faire des micro variations pour aussi représenter cet effet d'escalier. Alors, même si la fréquence est haute, ça se verra pas forcément. Par contre, malgré tout, la vitesse des moteurs va varier très rapidement et ça va engendrer de la chauffe moteur. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de deviner la fréquence des paquets de notre signal radio. Alors, pour y voir un peu mieux, on va encore une fois, on va zoomer, hein, Et on va se positionner au début de la réception d'un paquet. On va faire du mieux qu'on peut. Et là, on va utiliser un nouveau raccourci clavier. C'est la touche M pour poser un marqueur. Donc j'appuie sur M. Ensuite, on déplace la zone de travail jusqu'à la réception du prochain paquet. C'est à, voilà, à peu près à peu près, ici. Voilà. C'est précis. Voilà. Voilà, on est à peu près bien sur l'intervalle ici. Donc là, on voit qu'entre la réception de deux paquets... On a 7 millisecondes qui se sont écoulées. Et 7 millisecondes, c'est la période qui correspond à un signal d'une fréquence de 150 Hz. Donc là, ça veut dire qu'on a un signal radio qui est à 150 Hz. On va continuer à se balader un petit peu sur notre black box et on va voir comment évolue ce signal. Donc retenez bien ici l'écart à peu près visuel qu'on a. Pour faire sauter la marque, vous rappuyez sur M à nouveau. Et on va voir comment ça se passe au long de cette black box. Donc là, on est pareil à peu près. Là, il comment ça se passait. Là vous voyez, l'espace, le temps qui s'écoule entre deux réceptions de paquets, bah, ils sont beaucoup plus longs que ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc comme on est curieux, on va mesurer le temps qui s'écoule entre les réceptions de deux paquets à cet endroit-là de la black box. Donc on remet un marqueur M. On a là -dessus, voilà. Donc à ce moment-là de la black box, entre deux réceptions de paquets, il s'écoule 20 millisecondes et non plus 7 millisecondes comme tout à l'heure. Donc on a en gros des paquets qui mettent trois fois plus de temps à arriver. Et ça, cette période de 20 millisecondes, ça correspond à un signal de 49 Hz. Pour le coup, on va arrondir à 50 Hz. Donc en début de black box, on avait un paquet rate qui était à 150 Hz, et là on a un paquet rate qui est à 50 Hz. Donc là, a priori, on est sur du crossfire qui est configuré en packet rate variable. Donc si le signal est très bon, euh, il passe à 150 Hz pour assurer la meilleure latence possible. Et par contre, si le signal se dégrade un petit peu, il bascule à 50 Hz pour maintenir un signal bien solide. Par contre, ça se fait au dépend de la latence. Alors tout dépend des usages. Hein. Le mode dynamique comme ça, ça peut être pas mal. Mais ça peut aussi être euh, handicapant, notamment quand on veut une machine de freestyle qui est réglée aux petits oignons. Ben on préfère avoir quand même un comportement constant de la machine, pas avoir une machine dont la latence varie au cours du vol. Ça, c'est jamais cool. Et quand on va appliquer un certain filtrage à notre signal radio qui est lié forcément à sa fréquence, ben on va choisir un preset. Et forcément, là, on se retrouve avec le cul entre deux chaises. Donc, on n'aura jamais un preset qui sera parfaitement adapté à notre signal radio, vu qu'il va varier pendant le vol. Donc, en analysant aussi le Box, on s'est aperçu ici que la configuration du crossfire était pas optimale si, en tout cas, on voulait avoir les meilleurs résultats en freestyle. Encore une fois, ça peut être très pratique d'avoir un paquet de raid dynamique. C'est juste que là, on cherchait un levier d'optimisation pour notre machine. On va maintenant passer à un autre cas d'usage qui est certainement le plus répandu pour la black box, c'est l'analyse du bruit. Donc là le but est de savoir si notre machine a beaucoup de vibrations et à quelle fréquence. Ça c'est le genre d'info qui nous permet d'estimer si un setup est sain et ça va aussi nous permettre d'ajuster et d'optimiser notre filtrage. Donc pour ça, on va repasser sur une des deux premières vues, comme je suis toujours sur du Betaflight 4.4, donc on ne va pas se mettre sur la première vue, on va se mettre sur la deuxième, vu que là, le signal gyro non filtré, c'est le gyro scaled. Les vibrations sont évidemment perçues par le gyro, donc là, nous, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est le signal gyro non filtré, pour justement voir ben, où se trouvent les vibrations avant qu'on les filtre. Et plus précisément, on va enfin utiliser la vue analyseur de données, donc c'est le petit icône qui est ici et que tout à l'heure on a esquivé. On l'avait mis de côté ben parce que c'est plus qu'une simple vue. Blackbox Explorer va utiliser des maths. Alors si vous êtes curieux, vous pouvez faire une petite recherche sur la transformation de Fourier pour en savoir plus. Mais en tout cas, la Blackbox Explorer va utiliser des maths pour décomposer notre signal en une multitude de sous-signaux ayant chacun une fréquence fixe. Donc cette transformation, elle permet d'étudier les différentes fréquences qui composent notre signal. Bref, le comment n'est pas très important. Retenez simplement qu'en cliquant sur une des courbes, vous allez lancer l'analyseur de données qui va vous montrer la répartition des vibrations pour ce signal d'un point de vue des fréquences. Et les pics indiqueront les fréquences où l'intensité du bruit, donc des vibrations, est la plus forte. Donc on pourrait cliquer là, mais pour s'intéresser à un signal particulier, eh il suffit de cliquer directement sur sa courbe et vous allez voir, ça va démarrer l'analyseur de fréquences. Voilà, donc il apparaît ici. Si vous voulez voir en plus grand, vous pouvez zoomer ici. Et donc là, on voit que euh, sur cette config, on a deux pics de fréquence. On en a un autour des 200 Hz, donc 210 Hz, et un autre autour des 507 Hz. Alors, petit euh, raccourci intéressant, quand vous êtes sur ces écrans de fréquence, vous pouvez euh, utiliser la touche Shift pour euh, déterminer exactement sur quelle fréquence vous êtes. Donc, je vais appuyer sur Shift, vous allez voir, ça fait apparaître une ligne verticale. Voilà, ligne verte. Et si je me déplace, ça montre en haut à quelle fréquence je suis. Donc Là, si je me mets ici, voilà, ça montre que je suis à 192. Ça, ça peut être pratique. Par exemple, si vous voulez savoir ce pic entre quel et quelle fréquence il se situe, vous appuyez sur Shift. Donc là, on voit qu'il commence autour de 170 Hz et qui finit autour de, de 230 Hz. Voilà. Ça permet d'avoir un peu plus d'infos de manière un peu plus précise. Et si vous cliquez sur un autre axe, bah, vous allez basculer euh, sur un autre axe. Hein. Voilà. Donc là, on est sur le pitch. Donc là, on retrouve les deux pics. Donc il y en a un qui est euh, autour de 213 là. Et, euh, et un autre, le deuxième pic, il est beaucoup, beaucoup plus atténué sur, euh, sur l'axe du pitch. Alors pour illustrer ce qu'on voit là, hein, en fait, vous pouvez le retrouver sur la courbe. C'est juste que cette vue, elle est très pratique. Mais si euh, je masque euh, cette vue là, donc retenez bien, hein, on a vu que le pic euh, détecté là, ce pic là, en gros, il est autour de 210 Hz, 213 Hz. Et on va regarder si on s'intéresse à la courbe de près, euh, si on la voit, cette, euh, cette vibration. Donc là, on va prendre l'axe du pitch, hein, on va zoomer dessus pour être vraiment dessus. Euh, vous voyez là, on voit qu'il y a une oscillation, hein, le signal zéro euh, non filtré, bah, il aussi. Hein. Donc c'est euh, certainement cette vibration que l'on voit euh, dans, dans l'analyseur de données. On va zoomer encore plus hein, pour pouvoir euh, mieux voir. Et on va mesurer le temps qui s'écoule entre deux, euh, deux pics. Donc on va mettre un marqueur au sommet, euh, au milieu. Au sommet d'un pic, et on va se mettre au sommet du suivant. Ouais, c'est à peu près là. Donc là, on a euh, 5 millisecondes entre deux pics, et ça correspond à une fréquence de 213 Hz. Donc vous voyez hein, clairement ce qui apparaît euh, dans le diagramme ici, ce pic là, c'est exactement les vibrations hein, que l'on voit ici hein, sur la courbe gyro non filtrée. Voilà, donc ça vous permet de faire le lien entre, entre les deux vues. Alors cette vue-là c'est l'aperçu des fréquences de l'analyseur de données, mais il propose d'autres vues. Euh, une qu'on utilise beaucoup, c'est la fréquence versus le throttle. Donc cette deuxième option, fréquence versus throttle, va nous permettre de voir comment évoluent justement les vibrations par rapport au niveau des gaz. Parce qu'en général, hein, plus on monte les gaz, plus les moteurs tournent vite et donc plus la fréquence des vibrations est élevée. Donc c'est une autre vue qui est intéressante, on va cliquer dessus. Si la bascule ne se fait pas automatiquement, euh, vous pouvez basculer sur un autre signal. Et ensuite, on y revient. Voilà, on revient sur le, le pitch qui nous intéressait. Et là, on a une autre vue. Donc, cette fois-ci, euh, sur l'axe des ordonnées, on a le niveau des gaz. Hein. Là, on a 0%. Là, on a 100%. Et ici, on a les fréquences. Donc, vous voyez, on retrouve ici bien au niveau autour de 210 Hz. Euh, on retrouve bien le, le principal pic qu'on avait vu sur l'autre vue. Mais on voit aussi euh, une petite diagonale qui se balade par ici et qui augmente en réalité ce sont les vibrations là qui sont euh, purement dues au moteur et qui se déplacent en fonction du niveau des gaz et on aperçoit ici aussi le deuxième pic hein, qui était léger et on voit que ce deuxième pic en fait il apparaît plutôt quand les gaz euh, dépassent à peu près les, les 50% alors là aussi hein, vous pouvez utiliser la touche Shift hein, qui va vous permettre de bien euh, vous aligner sur les deux axes euh, sur les ordonnées et, euh, et sur les abscisses et typiquement cette vue elle est intéressante pour bien voir le bruit des moteurs. Donc là on voit qu'on a une harmonique, mais on peut en avoir d'autres hein, qui sont là très peu visibles. Euh, on peut renforcer hein, l'intensité des deux axes ici. Donc si j'augmente ici, ouais. on va mettre le truc à fond. Et là clairement on voit on voit bien euh, la première harmonique là et on voit une, euh, une autre harmonique ici. On en devine peut-être une ici. Euh, bon, en tout cas, voilà, ces deux-là restent complètement euh, c'est anodin, il hein, n'y a quasiment rien, c'est négligeable. Mais typiquement, on se dit qu'au niveau du RPM filter, on peut passer sans problème de trois harmoniques à deux harmoniques, ou même presque à une harmonique. On pourrait, bon, on peut en garder deux, c'est quand même plus prudent. Et dans la version 4.5 de Betaflight, on peut même donner du poids aux différentes harmoniques. Donc la première, on pourrait lui donner 80% de poids, et les deux autres, on pourrait lui donner seulement euh, peut-être 20% pour la deuxième et 30% 40% sur la, sur la troisième par exemple. Avec la version 4.5 de Betaflight et Black Box Explorer en version 3.7 vous avez aussi une nouvelle vue qui s'est rajoutée, c'est la fréquence versus le RPM. Alors finalement c'est assez proche hein, de, des gaz hein, parce que là ça vous montre à quel niveau vous avez monté les gaz, bah, les RPM finalement c'est quand même un peu lié aussi à la montée des gaz. Bon, sauf que c'est pas lié uniquement à votre stick mais au comportement que peut avoir votre quad dans les airs. Donc il n'y a pas que le comportement des sticks qui est associé. Mais c'est des courbes normalement qui sont quand même relativement proches. Bon, là je suis pris en flagrant délit parce que j'ai ouvert une black box hein, en version 4.4 de Betaflight. Donc je n'ai pas, pas les RPM. Donc on recommence cette fois-ci avec une black box qui est en version 4.5. Donc là on voit que si j'affiche la fréquence versus le throttle, bon, euh, là pour le coup je suis sur une machine très propre. Donc bon, ça donne ça. Euh, et par contre si on bascule sur l'affichage fréquence versus RPM, vous allez voir, c'est très proche. Alors qu'en étude ça ne se met pas à jour. Je vais basculer sur un et revenir sur celui-là. Et voilà, c'est quasiment la même chose. Là pour le coup, cette vue elle affiche en ordonnée euh, des fréquences, donc la fréquence des moteurs. C'est pas forcément ce qui parle le plus, hein, on est plutôt habitué à parler en RPM, donc en rotation par minute. Donc pour faire la transformation de euh, fréquence en euh, rotation par minute, il suffit de multiplier ici la fréquence par 60 et vous retrouverez les rotations par minute qui correspondent. Bon. Euh, bon, je pas, moi je l'utilise pas tellement cette vue, hein, je reste toujours sur la, la fréquence versus throttle qui me convient bien. Et euh, le la dernière vue error versus setpoint, pareil, je ne l'ai jamais utilisée donc je ne vais pas vous en parler. On va revenir à la vue classique des fréquences. Au-delà d'identifier les fréquences de vibration, ces outils vont vous permettre de vérifier l'efficacité de votre filtrage en comparant ces graphes avant et après filtrage. Donc là sur le Roll on voit qu'on a deux beaux pics de vibration sur notre signal non filtré. Et la question c'est de savoir est-ce que euh, après filtrage il y dégage donc on peut quand même vérifier euh, le filtrage hein, qui est appliqué actuellement en cliquant ici. Donc, vous verrez que il euh, y a un filtre gyro, un seul qui démarre à 600 Hz, un PT1 qui démarre à 600 Hz. On a deux filtres notch dynamiques qui se baladent entre 90 et 400 Hz. On a euh, le filtre RPM qui travaille sur trois harmoniques. Au niveau des filtres d'ITEM, on a deux filtres statiques. Le premier qui est un PT1 qui démarre euh, super bas à partir de 105 Hz et un deuxième qui démarre à partir de 200 Hz. Donc on a quand même beaucoup de filtrage. Donc a priori, on peut se dire qu'il euh, y a de fortes chances que le bruit hein, soit bien nettoyé. Donc on, par curiosité, on va cliquer dessus pour voir ce que ça donne après filtrage. Et au miracle du filtrage, on voit que nos deux pics sont bien complètement écrasés et qu'on a un signal propre pour la suite des traitements, en particulier pour euh, l'application des PID. Donc, si vous voulez vous assurer que vous n'avez pas trop diminué le filtrage et qu'il n'y a pas des petites merdes qui commencent à apparaître, bien à chaque fois, entre chaque black box, vous allez vérifier le résultat après filtrage. Et donc, vous saurez jusqu'où vous pouvez baisser votre filtrage sans voir d'effets négatifs apparaître, en particulier de vibrations traverser le, traverser le filtrage. Un petit mot concernant le workspace des moteurs. On l'a un peu expliqué tout à l'heure. Hein. Il vous offre deux aperçus. Euh, la vue euh, des moteurs et la vue euh, en RPM donc la vue moteur hein, encore une fois ça ne veut pas dire que les moteurs vont tourner à la, au pourcentage de la vitesse qui est indiqué là ça veut dire juste que le contrôleur de vol demande à ce que les ESC fassent tourner les moteurs euh, au pourcentage de vitesse qui est indiqué ici concernant les RPM, alors leur vitesse déjà elle est indiquée hein, d'une part en RPM et euh, d'autre part en Hertz c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur l'autre diagramme d'analyseur de données quand on analysait par rapport au RPM, euh, il nous avait dit qu'ici, les deux, on a à la fois la vitesse en rotation par minute et, euh, et la fréquence à laquelle ça correspond. Pour basculer de l'un à l'autre, hein, c'est tout bête, euh, il suffit de passer du nombre de rotations par minute au nombre de rotations par seconde. Donc si on prend 3271 pour prendre la première valeur ici, et qu'on veut la passer en rotation par seconde, on va diviser par 60, hein, ce qui est 60 secondes dans une minute, et on obtient une fréquence de 54,5 Hz. Voilà. Donc, ça, vous voyez bien la correspondance entre ces valeurs. Ça veut bien dire la même chose, c'est juste présenté de manière différente. Mais pour rappel, contrairement au moteur qui ne faisait qu'afficher la vitesse demandée, désirée, là, ce coup-ci, ça nous remonte réellement la vitesse à laquelle tournent les moteurs. Donc, c'est ce que les ESC remontent à la via le fameux D-Shot bidirectionnel. Cette vue elle est intéressante pour nous aider à détecter les desyncs. Avant, on se disait tout bêtement, quand un moteur passait à 100%, un moteur tout seul, hein, que les trois autres tournaient normalement et que un des euh, quatre moteurs passait à 100%, il y avait une bonne probabilité que ce soit à cause d'un des syncs. En gros, c'est-à-dire que le moteur ne tourne plus vraiment, mais que l'AFC euh, lui demande de compenser, donc de tourner à vitesse maximale pour compenser l'action qu'il n'a pas. Mais on peut aussi être dans le cas d'une hélice qui a explosé en vol. Dans ce cas-là, ben, on a un moteur euh, qui n'a plus du tout de portance, hein, vu qu'il n'y a plus d'hélice. Donc, l'AFC va lui demander de tourner toujours plus vite, et comme il n'y a plus de portance, ce moteur va plafonner à 100%. Le fait d'avoir les RPM en plus dans cette vue, bah justement, ça permet d'aider à diagnostiquer cette situation. Si on est vraiment dans un cas de desync, non seulement on aura un moteur qui sera à 100%, mais au niveau des RPM qui seront montés, on sera loin des 100%. Le moteur il va très très mal tourner et on aura des vitesses de rotation beaucoup plus faibles. Par contre, si l'hélice a explosé dans les airs, bah non seulement le moteur on demande 100% mais euh, les rpm qui vont nous être remontés c'est 100% le moteur lui continue à tourner à 100% s'il n'a plus de portance c'est pas parce que le moteur ne tourne plus mais c'est juste parce qu'il n'a plus d'hélice voilà donc cette vue elle est intéressante pour ça par exemple on va finir par un dernier exemple comme on le disait tout à l'heure le fait que les signals gyro non filtrés et que les rpm soient systématiquement tracés dans la black box ça permet d'utiliser d'autres modes de debug sans perdre ces infos donc là dans cette black box j'ai activé le mode de debug FFT Freq. or ce mode va permettre de suivre la position des notes dynamiques sur l'axe de debug, donc en l'occurrence l'axe du roll. Donc ça c'est déjà une information qui est intéressante, mais surtout il va permettre de voir le signal gyro après passage du filtre RPM et des filtres passe-bas. Et ça justement c'est idéal pour voir ce qu'il reste à filtrer et dans quelle mesure le filtre notes dynamique est vraiment utile. Si la machine est saine, dans la plupart des cas, le filtre RPM va faire les euh, trois quarts du boulot et les filtres passe-bas vont nettoyer le reste. Et en général, il n'y a pas forcément besoin d'un filtre notch supplémentaire. Donc là, si on regarde dans ma black box, euh, vu que j'ai activé le mode FFT euh, Frec dans Betaflight, donc ce qui va loguer, c'est la fréquence du premier notch, la fréquence euh, du deuxième notch et la fréquence du troisième notch. Sachant que euh, moi, dans ma config, je n'ai activé qu'un seul, qu seul notch hein, on peut le vérifier ici. Dynamic notch filter, j'en ai mis qu'un seul, donc voilà, les 2 et 3 restent toujours à 0 Hz. Par contre le premier notch on va voir que lui au fil du temps eh bien il va se déplacer. On, peut même... on, va, se... on va zoomer là dessus. Donc là on voit vraiment que la fréquence de mon premier notch, eh bien, au fil du temps, elle évolue, elle change, elle est à 233 Hz, un peu plus tard elle est à 400... 413 Hz, etc. Et la dernière donnée dont je vous parlais, c'est le fameux Giro Pré-Din Notch. Donc là, on voit sur ma machine, si on regarde le détail de mon signal Giro après passage dans le RPM et dans les filtres passe-bas, on voit que le signal il est, déjà, euh, il est déjà clean hein. il n'y a quasiment plus rien à filtrer. Il reste un petit peu de bruit euh, ici, euh, éventuellement, mais ouais, c'est super léger. Et c'est aussi hein, la raison pour laquelle euh, mon filtre Notch il se bat dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas de gros pic à manifeste euh, à traiter. En fait bon, dès qu'il voit un peu, de, un, peu de, un peu de bruit qui reste à gauche ou à droite après le passage du filtre RPM par exemple, bon, lui il passe derrière, il nettoie ce qu'il peut, donc des fois dans les hautes fréquences, des fois dans les basses fréquences. Donc là moi typiquement euh, sur ma machine, je pourrais complètement désactiver euh, le filtre noche dynamique, mais je vais quand même le garder parce que euh, bah, si je fais du bandeau, si j'ai un gros crash et que je reviens avec des iss complètement tordus ou avec des iss auxquels il manque des pales, bah, voilà. ce noche dynamique il va permettre d'intercepter un gros pic de bruit qui pourrait se balader euh, un peu n'importe où. Voilà, on a vu l'essentiel concernant Black Box Explorer. J'espère qu'on vous aura réconcilié avec l'utilisation de la Black Box. C'est finalement assez simple à utiliser et c'est très utile pour optimiser un tune et essayer de comprendre la cause de certains problèmes. Autant les PID peuvent se régler au feeling assez simplement, autant pour le filtrage, c'est plus délicat et l'analyse des vibrations est très pratique pour évaluer dans quelle mesure notre machine est saine et optimiser nos filtres. Malgré tout, hein, rien de tel que la pratique, entraînez-vous à analyser quelques black box et petit à petit ça va devenir instinctif. Ainsi s'achève cette première trilogie Filtre PID Black Box de notre série au cœur du drone. Aura été un petit peu plus exigeante que d'habitude, mais on espère que vous aurez appris quelques trucs utiles. Merci d'être resté jusqu'au bout. Comme toujours, si vous n'êtes pas déjà, pensez à vous abonner en activant la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et le petit pouce vers le haut si ça vous a plu bien sûr, ça nous fait toujours plaisir. A bientôt, c'était Jérôme pour rfv.